Le IOP, maintenant, ça passe la serpillière, en fait. Ça passe la serpillière. Actuellement, IOP en 3-3 solo, encore, c'est ok, ça tape. Mais le IOP en 3-3 team, c'est... Pardon, vous avez encore des miettes autour de votre tablier, monsieur? C'est ça, en fait. Il fait ça. Donc, encore, l'autre jour, moi, je me promène. J'essaie, voilà, de faire une petite team et il y a un IOP qui se propose pour jouer avec moi. Donc, je lance le colis, tout ça. Je le vois, il fait mes ourlets de pantalon, le mec. Il fait de la couture. Je fais, tu fais quoi? Parce qu'en fait, moi, je t'ai pris pour que tu tapes. Non, non, maintenant, le IOP, c'est vertu. Vita T1, Dofus Argenté Scintillant. Ça... Si un IOP est feu, c'est pas pour mettre des grosses tumultes, hein. C'est pour faire du soin et retirer des PM avec coup près. Vous méprenez pas. Il a un aspirateur à main, le con. Non, non, mais c'est ça, vous méprenez pas. Vous avez des petites miettes sur votre tablier. Je les aspire, vous bougez pas. Hein. Après, c'est cool parce que ça fait des bons massages. Et là, j'admets, ça débloque pas les articulations. Tu sais, ils font bien, ils font ça, bah, ils ont l'habitude. Hein. Ils te font un petit roulé là autour de ton cou. Purée, t'es bien, t'es. Puis il te met des shields, il est là, il continue. Bah, c'est un métier avant tout, hein. Ouais. C'est un métier. Hein. Et les dégâts, bah, les dégâts en fait, non. C'est-à-dire que tu commandes un IOP dégâts. Ouais. Tu commandes un IOP dégâts sur Amazon, c'est le IOP vertu qui arrive de Wish. Donc c'est ce qu'on a actuellement. Ah ouais, c'est de la contrefaçon, je vois. On va dire bien joué. Il boit pas d'alcool, il peut pas te bourrer. On va dire, on dit quand même bien joué, c'est ce qui, il faut être fair play. Et l'avantage, c'est que tu peux faire du squat en jouant un Dofus, d'accord? Donc tu joues 30 secondes, après t'attends que tes collègues jouent, tu peux faire des squats. On a trouvé un colis au fait. Yes, I. Je connais pas Bubuzz. Ok, on va se mettre comme ça. Ouais, on est bien. On est yimb. Ouf. Alors ça, c'est une compo solide. Hein. Ça, attends, j'essaie de prédire. Ça, c'est du opti. C'est du opti. Tu t'inscris pas avec Uppermage et Xelor en même temps, par hasard. C'est du opti. C'est du opti. Y a pas tellement... Déjà, c'est dur de trouver un joueur nul de Xelor ou un joueur nul du Uppermage. Alors les deux en même temps qui s'inscrivent ensemble, je vous le dis. Hein. Mais ça, c'est encore une fois, c'est le mentalisme. C'est du mentalisme. Donc bien sûr, ça va être du full ivoire, ça va être des strats un petit peu ambiguës, un Xelor feu qui a loupé le nerf aiguille. Voilà. Le fond blanc, ça pète les yeux. Désolé, Cookie. On va essayer de te commander des lunettes anti-lumière bleue. On va essayer de faire ça. Ah, l'Uppermage agit, ils faisaient leur feu, et c'est quoi comme ça dit? Ça dit cancer. Ouais, je pense. Pas de soucis. Autogastrique. Ouais, c'est pas tout gastrique. Pas d'ivoire sur le Sadi, hein. Yes. Mais 50 récris. Et pas de raise aussi. 50 récris, donc c'est comme s'il avait un ivoire en vrai. Mais je vais. Ouais. On va quand même le focus, hein. Ouais. De 0 PM. Ouais, bah oui, c'est Dida. Hein. Bah y a pas de. Des fois, on pourrait douter, ah, quand même. Mais Sadida, de base, je sais que tu vas pas t'amuser. Hein. Oh. Évidemment. Mais je précise quand même, parce qu'il y en a qui se demandent, oui, est-ce que tu penses que Sadida. Non, ta gueule. Je suis en adresse en DM. Ah, bah, c'est un peck. Okay. Salut Furion. Non, je connais pas, je connais pas du tout. D'accord. Est-ce qu'il faut du debuff? Il faut de l'érosion, je pense. Ah, pas des buffs, on va aéro. Hop, les 2700 points de vie sur le Sadi. On lui a déjà fait un bon affront. Je me demande. Est-ce que tu peux pas faire un rush frontal sur le Sadi pour lui rappeler que, voilà, attention à tout moment. Voilà, à tout moment. Peut-être que lui peut pas, mais nous, on a des dégâts. Ah, okay. Petite claque sur le cul pour rappeler qui c'est le boss. Voilà, un truc comme ça, ouais.
Je vois. T'es pas obligé de texte. Putain, attends, il veut faire du retrait lui aussi maintenant. Ouais. Est-ce que tu fais? Tu t'es. Putain. Ah merde, j'ai pas le LDV. Putain, t'aurais pu lui mettre un 800 facile dans la gueule. Alors, oh merde, non bah non, c'est là c'est pourri. Tu sais ça surpuit hein. Ah bah non, il préfère. Tu sais ça surpuit. Alors, putain, mais qu'est-ce que t'es con? Tu à quel moment tu t'es dit que t'allais pouvoir l'atteindre là? Non, je voulais cliquer là. Mais non, mais dans tous les cas, c'était il fallait aller là. Flamme. Quoi? Tu flammes latérale et tu fais percept. J'avais 2 PM. Avec 2 PM. Oui, non, mais tu t'épais là, flamme latérale, percept, et t'aurais pas été exposé comme tu l'as actuellement. Par contre, il fait quoi? C'est encore pour les infecter? Ok. Salut Ania. Ania, t'étais quel compo toi? Ok. Tac. On va terminer ici. Alors, use esquive, la perte de 5 PM, c'est beau. C'est vrai que t'as esquivé. Putain, c'est vrai que t'as pas mal esquivé, toi. Yes. 45 d'esquive. En même temps, les gars, il y a 45 d'esquive, je dis. Je veux dire, il a investi, ah, ouais. Quoi, hein, honnêtement. Full esquive PM, quoi. Ça marche, bubuzz. Allez, 2700 points de vie sur le Sadi. Je peux lui faire un bon rush frontal. Go. Est-ce que ça va le tuer? Il y a des chances. On va voir. Hop. Mais j'ai pas plus qu'à fendre, hein, forcément. Ouais, c'est bon, ça tue. C'est quoi qui fait le plus mal? Ça fait le plus mal. Voilà. Et soupape sur le Xel, allez. Et où ça dit? Je l'ai tué. Ok. Bah tranquille. Hein. Alors, Roup, Panda Helio qui passe tour contre toi. Panda, Steam et Feka. Roup, Panda Helio. Ah, ça suicide. Ça suicide. C'était quand du Roup, Panda Helio? Ah non, c'était... Ah oui, c'était pour la vidéo... Ania, excuse-moi. Excuse-moi, je... Parce qu'en stream, on n'a pas connu cette compo. Non, c'était cet après-midi, ça, c'est pour la vidéo. Ok, ouais, bah efficace. Efficace, cheat, je sais pas, par contre. Hein. Parce qu'il y a des compos, on se fait obligatoirement torcher, en fait. T'imagines, c'est une feinte, et là il tue mon upper, enfin mon steamer. En vrai, c'est faisable. Ouais, non, c'est bon, enfin, c'est bon, ils sont cool. Parce qu'on a déjà eu ça, hein. On a déjà eu des mecs qui font genre de suicide, et derrière, du coup, on portait plus le crack qui était full dégâts, un truc du genre. Ouais, avec item JH et tout. C'était en vidéo, ça. Hein. Ah ouais, putain, et les mecs, ils te torchent. Ils suicident. Il voyait que le crack était par terre, il tue. Et t'es ouais. Ouais, putain, trop relou quand ça fait genre de suicider, mais en fait, pas du tout. Ouais. Bon, c'était marrant. Mais... Non, c'est pas marrant. Touche pas avec ouais, un bâton. Faut dire ça, et après, on les insulte. Fin d'après-midi, ouais, voilà, Nia. Salut, trois petits points. Bon, c'est en tout cas le dernier match de la soirée. Ça se sera bien passé globalement. On fera un petit tour là. 7 minutes, putain vache. Bah quand ça suicide, ça va plus vite. C'est vrai. Je rappelle que je suis en live tous les jours sauf le mercredi et le samedi à 19h sur ma chaîne Twitch. Et pour ceux qui ne peuvent pas se sub à cette dernière mais qui veulent tout de même me soutenir, sachez que j'ai une page Utip en description.